Les stars de la croisette hier, c'était elles, Adriana Carambeu, Lucie Carrasco et ses mannequins. Ce défilé, la jeune styliste lyonnaise l'avait rêvé. La particularité de Lucie, elle fait tout pour que ses rêves deviennent réalité. C'est mon 10e festival, faut que je fasse un truc bien. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un truc gigantesque. Et autour d'elle, on n'a qu'une envie, c'est de la suivre. Elle porte de par son courage, de par sa volonté, et tout ce qu'elle fait, son livre, ses créations, c'est génial. Ses créations, c'est des vêtements qui sont ultra glamour, ultra féminins pour des vraies femmes, je dirais des femmes assez pulpeuses qui ont des formes. Des formes pour des poupées grandeur nature qu'elle joue à sublimer. C'est un peu jouer à la poupée en grandeur nature. Quand je passais des poupées au mannequin, des fois je me réveille et je dessine vite la robe à laquelle j'ai rêvé pour ne pas la perdre. Des robes de princesse de la collection Red Carpet que l'on rêve d'enfiler pour fouler le tapis rouge. Des robes qui ont séduit Adriana Carambeu, venue accompagner Lucie à Cannes. J'ai vraiment tombé sous le charme. Je trouve déjà qu'elle est très courageuse, mais aussi très, très talentueuse. En tant que créateur, c'est un rêve d'avoir un grand modèle qui défile un jour à ses côtés, et c'est le cas aujourd'hui. Après avoir défilé à ses côtés, Adriana défilera pour Lucie l'année prochaine. Un autre rêve qui deviendra réalité. Sunday.